c'est Sekou Camara. Je voulais en Roumanie Ligue 1. Je suis ailier droit, mais je peux jouer aussi à l'avant-centre et ailier gauche. Donc je joue trois postes, ailier gauche, droite et avant-centre. Ouais, j'ai commencé en Guinée, j'ai joué dans un club informel à FC Alia. Donc je suis parti dans l'équipe réserve de CIK par le canal de Mathurin Bangoura. Donc c'est à travers de ça que je suis parti en Europe. Ça fait 4 ans. Depuis début 2020, j'ai été là-bas. Donc j'ai déjà fait 4 ans là-bas. Bon, ça n'a pas été facile. D'abord, avant d'être en Roumanie, j'avais déjà joué en Albanie. Donc c'était le premier pays, là où je suis parti. Donc j'ai déjà joué Ligue 1 là-bas. Après, quand je suis parti en Roumanie, ça n'a pas été trop compliqué, vu que j'étais déjà adopté jouer en Ligue 1. Donc je me suis très adopté vite fait. Bon, par la langue, ça a été un peu difficile au début. Après, on a commencé de suivre les cours 3 fois par semaine. En plus, en communiquant avec des coéquipiers, mes amis, avec des gens. Donc j'ai essayé un peu de parler leur langue. Bah, mon ambition, c'est de jouer les grandes compétitions. Pourquoi pas gagner des trophées. Après, c'est un peu ça. Hein. C'est comme l'ambition de tout un jeune footballeur dans son club. Bon, c'est comme tout un joueur hein, qui rêve de jouer pour son pays. Tu essaies de te donner le maximum dans ton club pour venir jouer dans ton pays. Après, il faut avoir aussi la chance. Après, il y a beaucoup de joueurs. Mais le plus important, c'est de te concentrer dans ton club. C'est à travers de tes performances, des bonnes choses que tu fais dans ton club. Après, pourquoi pas, ton pays peut t'appeler. Après, si tu es libre, tu peux venir représenter le pays. Bah, ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir de revoir la famille, tout le monde est en bonne santé, c'est ça le plus important. Après aussi, il y a mes amis, vu que longtemps je n'étais pas à côté d'eux, on s'amuse, on passe de bons moments. Pareil que la famille, on essaie de profiter le maximum qu'on peut, quoi. Moi, c'est Samour Alaï, j'évolue dans le club de FC Alia, dans l'équipe formelle. Et bien sûr, je suis ami avec lui depuis très longtemps. On a commencé depuis au bas âge. Donc, il avait des énormes qualités dans l'équipe quand on était au niveau de FC Alia. Donc, à travers ça, tout le monde l'appréciait et au-delà, par son talent, par sa capacité et au-delà. Donc, du coup, plusieurs personnes venaient du n'importe de plusieurs endroits pour dire ouais ton ami il a le talent, s'il s'adapte vite donc il va arriver. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Bon, moi quand même en personne je suis très heureux de le voir ici aujourd'hui parce que moi je ne suis pas en doute, je n'ai jamais douté de lui quand même. Vu ses performances et sa qualité, j'ai pensé, j'ai rêvé fort pour lui. Et voilà, les résultats sont là aujourd'hui. Donc c'est ça.